Je viens de baiser et je m'apprête à bouffer des nachos. C'est le plus beau jour de ma vie. Vous avez fait connaissance? Salut. Voilà, salut. Je te présente Chantry, ma cousine. Merci d'avoir le triomphe si modeste. On n'a qu'à se faire une sortie, je vais te donner mon numéro. Super. Mon petit ami doit se demander ce qui m'est arrivé. Ça doit être l'angoisse totale pour lui. Bon, ami? Pourquoi pas, oui. Génial. Ami. Dans les contes de fées, l'amour t'incite à être plus noble, plus courageux, alors que dans la vraie vie, l'amour est un prétexte pour réveiller tes instincts égoïstes. J'arrive pas à savoir si tu dis ça par cynisme ou tout simplement parce que tu es un gros psychopathe obsédé par le romantisme. Dis donc, Wallace, parlons des sujets complexes de notre époque. Les hommes et les femmes peuvent-ils être de simples amis ou t'as secrètement envie de te taper, Chantry? Elle a un petit ami. Ben, voilà, c'est arrivé. Salut, merci d'être venu. T'essaies de coucher avec ma nana? Oh, non, je ferai jamais on ça. Est entre nous, mec, on fait que discuter, ok? Ok. Toi, tu peux pas envisager une relation sans sexe avec une femme, mais moi, je peux, parce que je suis un adulte. Tu crois vraiment à ce que tu racontes? T'es trop mignon. Je suis désolée, ça a l'air d'aller. D'après Dahlia, tu fréquenterais un certain Wallace? On est potes, c'est tout. Je suis déjà sur le coup, alors pas touche. Dahlia, tu connais à peine mon ami. J'aimerais essayer cette robe. Il ne me reste plus que celle-ci, mais c'est une taille 36. Je fais du 36. Wallace! Oui? Amène-toi dans ma cabine! Quoi? Je suis coincée! T'as les yeux fermés? Oui. Et vous deux, ça va? Je suis pas sûre. Je suis plus sûre de rien. On m'a proposé un poste à Taïwan et donc je pars bientôt. C'est très facile de parler d'amour avec cynisme tant qu'on n'a pas connu le coup de foudre. Si vous avez de la chance, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. 100% d'honnêteté, c'est la base même de toute relation amoureuse, mec. T'es 100% honnête avec Nicole, mec. Vous vous êtes tout dit. Hein. Ouais. 2006, la Nouvelle-Orléans, elle s'appelait comment déjà? Fabia. C'est vrai qu'elle ressemblait à une femme, pour être honnête. 99% d'honnêteté, c'est la base même de toute relation amoureuse.